Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif, je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry. Je reviens aujourd'hui avec mes réalisations du mois de mars et d'avril. Nous sommes le vendredi 30 avril, voilà, pour clôturer le mois d'avril. Je serais bienvenue un petit peu plus tôt, mais les vacances m'ont un peu empêchée de tourner. Puis je travaillais, donc c'était pas nécessairement évident. Voilà, je vais vous montrer ce qu'est devenu mon Regan. Je vous avais quitté la dernière fois, il m'en restait plus grand chose. Et ben, je voulais dans le mille, j'en ai pas eu assez pour terminer mon Regan. Je vous le montre déjà. Donc c'est de la laine filet main, c'était de la Malabrigo Nube, coloris Wallace Road, qui était en rupture de stock. Donc j'ai pas pu en racheter. Donc j'avais un écheveau, ouais, je suis désolée, il y a des morceaux de fil, voilà. Donc j'avais un coloris qui était un petit peu plus violet que j'avais mis dans le dos. Et j'avais terminé, oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rayures, hein. Il n'est pas si évident que ça. Je pensais qu'en le filant, justement, ça allait devenir quelque chose de plus fondu et de moins rayé. Et en fait, la façon dont je l'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai séparé ma tresse en deux d'abord. Pour pouvoir faire mon rotor avec les deux brins. Et puis je les ai séparés en plusieurs petits morceaux. Et la dernière fois que j'avais filé, ce que j'avais fait, c'est que j'avais filé au fur et à mesure. J'avais pas vraiment séparé ma tresse. Et je me demande si c'est pas lié à ça, le fait que j'ai filé en plus petits morceaux. Alors on voit aussi que ça bouloche un peu. Je l'ai assez peu porté. Mais... Effectivement, cette couleur-là fait ressortir mes yeux bleus. C'est pas pour rien que j'aime ces couleurs-là. Regan de Isabelle Kramer, vous l'avez sans doute déjà pas mal vu. Je reste toujours pas super convaincue par la dentelle. Ouais, après les rayures, là, ça aide pas beaucoup. Donc je vous ai dit, je me suis retrouvée un peu en rade. Donc j'ai voulu en racheter, sauf que j'en ai pas trouvé chez Laine et Tricot. J'ai eu espoir chez Pelote et Bergamote à Nantes de trouver... et en fait, non. Elle avait un coloris boréal. Je m'étais dit qu'il aurait pu pas mal convenir. Et en fait, il était plus violet, donc ça marchait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté de la crème que ce wool. Et c'est vrai que c'est un fil qui peut ressembler un petit peu... justement du filet main, parce qu'il y a un retour de couleurs différentes avec un dégradé. J'essaierai de vous mettre une photo de la laine en question. Donc c'était de la mérino. C'est 50 grammes pour 125 mètres. Parce qu'effectivement, moi j'avais un échantillon qui finalement la façon dont j'ai filé, je suis plus sur une taille d'éca que fingering, parce que en fait je l'ai moins écrasé ma fibre comme j'avais l'habitude de faire. En fait, j'ai étiré ma fibre et j'ai laissé mon retour reprendre, alors qu'en général ce que j'avais tendance à faire, c'était pincer la fibre, prendre la quantité que je voulais et lisser en revenant vers l'autre partie. Alors ça me fait travailler plus les doigts et c'est pour ça que j'ai essayé cette autre solution que je trouvais peut-être plus douce pour mes mains. Mais au final, ça fait un fil qui gonfle beaucoup après lavage. Parce qu'une fois que je l'avais fait, je m'étais dit, ouais, c'est pas mal, c'est assez fin. Et en définitive, j'étais pas assez fin. Et en fait, je me suis méfiée, j'ai filé un petit peu plus épais parce que le dernier que j'avais filé, je l'ai retordu en retour Navarro et j'avais un échantillon fingering. Donc je m'étais dit... Après, c'était pas de la mérino. Effectivement, là, c'était... je sais pas du tout quelle matière c'était. C'était un mérino qui était peut-être un peu plus épais. Enfin, plus résistant, en tout cas, qui était moins moelleux, moins gonflant. Et donc, je me suis méfiée. J'avais peur d'avoir un fil trop fin. En définitive, ça fait effectivement un gilet qui est quand même assez dense. Surtout sur les manches. Ce qui est pas pour me déplaire. Ça me tient bien chaud. Il reste quand même pas mal drapé. Oui. Donc, et puis là, pour terminer l'i-cord, j'ai utilisé le reste que j'avais de mon châle
Waiting for Rain que j'avais refait en laine pareil filet main. Et c'était la colo le coloris Azules. Azuleros. Je dis, voilà. Voilà pour mon projet Regan que j'ose peu porter parce que j'ai peur que ça bouloge beaucoup vu que la laine était vraiment et vraiment c'est vraiment déployé, a vraiment gonflé au blocage. Je fais un blocage d'ailleurs à l'eau alors qu'en général je le faisais plutôt à la vapeur. La laine a un peu dégorgé donc il faudra se méfier au prochain lavage. Voilà, peut-être que ça va juste boulocher une bonne fois et qu'une fois que je l'aurai rasé, ça bouloguera plus trop. Mais j'avoue, comme j'ai mis du temps à filer trois écheveaux, c'est quelque chose d'assez précieux quand même. Voilà. Puis j'ai mis aussi un petit reste de laine à chaussettes après parce que j'avais même pas assez de celle que j'avais rajoutée, qui est là, vous voyez, qui fait un dégradé, avec qui avait un petit peu de rose, de bleu, qui était vraiment dans les tons de mes tresses de laine à filer. Ouais, je voulais pas en racheter un pour juste faire le rendre de rabat. Je me suis dit qu'avec mes laines bleu marine, ça pouvait le faire. Et je m'étais dit aussi que ça rendrait peut-être la bordure plus résistante au frottement. Et que ça serait peut-être un peu mieux. Parce que c'est la laine que j'ai rachetée, là, ne contient pas de nylon, je crois, attends, je me souviens. Non, il m'a juste fingering. Fine, ouais. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Il est tricoté en 3,75. J'avais un échantillon qui était peut-être un petit peu plus juste. Mais. Non, je crois que j'avais un bon échantillon. Non, j'avais un échantillon un petit peu plus large et j'ai fait la taille M pour justement compenser. Voilà. Je passe au si, au si ou, si ou, je sais pas comment on dit. Oh, c'est terrible l'anglais. Les tricomaniacs, j'ai pas regardé leur dernier épisode, j'ai pas eu le temps. Mais elles avaient parlé de faire un cal pour le tricoter ensemble. Désolée les filles, je vous ai pas attendu. En fait, comme il me manquait de la laine et que j'avais pas ce qu'il fallait, il fallait que je commence autre chose. J'avais un mélange de coton lin dans mon stock que j'avais acheté l'année dernière que j'avais pas eu le temps de tricoter. Et puis, enfin, j'avais beaucoup hésité sur le modèle et conclusion, je l'avais pas fait. Et là, ce modèle-là, quand elles en avaient parlé en septembre, il m'avait bien plu. C'est des manches courtes avec un panneau de dentelle sur le dessus qui est très joli. Et tous les rabats se font, et tout l'encolure se font avec un I-cord. Voilà. Alors, il est assez large, assez lâche. Le drapé, enfin, c'est assez cartonné. Je suis pas sûre de le porter beaucoup. Après, c'est une couleur qui me va pas mal en général. Bon, pas avec mon rouge à lèvres, mais bon. Voilà, je vous montrerai avec le défilé parce que je pense qu'il pourrait pas mal se marier avec une jupe que j'ai faite après. Je vous montrerai ça. Petit teasing. voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Enfin, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la couleur. Ça n'a pas été un régal à tricoter parce que c'est vrai que le coton et lin, ben, finalement, ça accroche un peu. Ça se lisse pas beaucoup, donc ça pardonne pas beaucoup les. Puis là, je crois que j'avais un échantillon qui me semblait. Non, qui était un peu plus petit. Non. Oh, c'est terrible, je devrais prendre des notes, je sais plus. Si, j'avais un échantillon qui était un peu plus grand. Et j'ai fait un taille 40-42. Mais comme il y avait une aisance assez grande, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une aisance aussi importante. Donc au final, j'ai fait la taille 40-42. Alors que j'aurais plutôt tendance à faire un 44. Pardon, je regardais mes notes. Qu'est-ce que j'avais de plus à raconter? Ouais, un échantillon en pelouse. C'est fait en 3,75. À voir. Après, je pense que ça peut être intéressant à porter sur les robes fines bretelles et le matin il fait peut-être un peu léger et c'est peut-être suffisant quand il fait 10, sur les grosses chaleurs, quand il fait 19 le matin. Je vais pas mettre un gilet trop trop
voilà, un gilet trop épais. Donc je pense que ça peut permettre d'avoir un peu, pas trop froid, mais juste ce qu'il faut pour les grosses chaleurs. Voilà. Ensuite, j'ai ma paire de chaussettes avec les restes de ma laine. Je vous avais déjà, la précédente fois, je vous avais montré une paire de chaussettes tricotées avec cette laine en rayure façon un peu les Hermione Socks. Et donc, il m'en restait quand même pas mal parce que j'ai réussi à faire ça. Bon, elles sont courtes, mais elles sont... Ça me convient, ça passe. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai essayé le talon Fish Lip Kiss Heel. Je suis pas nécessairement convaincue. Je trouve que ça tire pas mal au final à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire effectivement le talon à gousset. Moi, sur les précédentes chaussettes, j'avais pas trop ce souci-là. Alors c'est peut-être ma tension qui était un peu plus j'étais peut-être un peu plus tendue, peut-être, je sais pas. Donc sur la deuxième chaussette, j'ai fait mon talon en raccourci dont j'ai l'habitude. Et au final, ça tire un peu de la même façon pareil. Mais mon grafting là par contre, je l'ai pas bien réussi. Même si finalement le grafting, au départ, j'y arrivais vraiment pas bien. Là, j'ai appris à mieux le faire grâce au rabat en rabat tubulaire. C'est vrai que le rabat tubulaire, moi, c'est ce que j'ai finalement j'ai trouvé de plus élastique et qui se déforme pas trop. Et qui laisse quand même passer mon pied. Donc voilà pour ces petites chaussettes que je mets un peu le soir en ce moment, parce qu'il fait un peu frisqué. Le soir devant la télé, parce que je vais pas mettre mes gros chaussons, mais juste ça, c'est pas mal. Voilà pour la paire de chaussettes. Terminé. Je pense qu'il y aura une paire de chaussettes par mois au final pour finir un peu les restes que j'ai. Puis voilà. Puis ça fait un projet effectivement, comme ils disent, no brain. Enfin, zéro cerveau. Enfin, c'est-à-dire quelque chose qui se fait assez automatiquement et qui est assez pratique quand je suis avec mon mari. Voilà, où j'ai pas besoin d'être concentrée sur un diagramme, même si j'aime beaucoup les diagrammes. Voilà. Je vais vous montrer le dernier nez aussi. Le Tegna de Kathleen Hunter. J'aimais beaucoup la dentelle en bas là. Et là, c'est pareil, je la vois très bien sur mes robes à fines bretelles. Où, bah, je l'ai portée dernièrement sous une veste en jean. Et c'est vrai que c'est super agréable. La laine, c'est de la Biobalance. Je l'ai tricotée en 3,25. J'avais le bon échantillon. J'ai fait la taille 100L qui correspond avec une aisance à peu près de 15 cm. C'est vrai que le coton, j'espérais que ça drape, enfin que ça lisse un peu plus les mon parce que sur le haut, ça se voit pas énormément, si ça se voit quand même. J'ai des problèmes avec mes rangs en verre. Mes rangs en verre sont beaucoup plus lâches. Je voyais Bobine et Pelote qui en parlait aussi dans son dernier épisode. Moi, j'entoure déjà deux fois mon fil autour de mon petit doigt avec la méthode continentale parce que sinon j'étais vraiment trop lâche. Et ben pour le rang en verre, j'ai beau essayer de serrer, de savoir que je suis un peu plus. Ben, il y a des moments où c'était un peu mieux, mais quand on voit dans le dos là, en transparence, vous voyez, ah, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. Je pense que je vais essayer peut-être de faire effectivement 0,25 de moins pour le rang en vert. Peut-être. Peut-être ça va être la solution. De toute façon, c'est vrai que la plupart du temps, je tricote quand même en rond. Donc voilà. Donc voilà. Que dire? Ben, je l'ai porté hier alors qu'il faisait 16 degrés. Et ben ma foi, c'est pas mal. J'avoue, avec la petite veste en jean par-dessus, ça passe. J'avais peur de pas savoir comment porter ce genre de t-shirt. Je m'étais dit, manches courtes. Par contre, je l'ai porté le week-end dernier. J'ai eu trop chaud l'après-midi.
Le matin, c'était très bien. Mais l'après-midi, je suis vraiment trop chaud. Je pense qu'il faut avoir un petit débardeur en dessous. Petit teasing, voilà. Et l'enlever dans l'après-midi. Je pense que c'est pour le matin, c'est très bien quand il fait un peu plus frais le matin. Et puis l'après-midi, il fait trop chaud. On se découvre et puis on n'en a plus besoin, quoi. Enfin, dès que je bouge un peu, j'ai un peu chaud. Mais quand je suis statique, par contre, c'est parfait. Le col se fait avec un rouloté. Finalement, il roulotte pas autant que je le pensais. Mais voilà, enfin, je vous ferai le petit défilé. Voilà pour les réalisations terminées, mais en cours. Je les ai terminées ce matin. Une paire de chaussettes. Il me reste juste à faire le talon après coup. Et là, je vais refaire aussi le talon. Je vais essayer de faire le fichlip kiss heel avec la laine beige là, au-dessus. Ça, c'est des restes d'une pelote Schoppelwolle de Sauerball. Il me restait en fait après le tour de cou que j'ai fait à mon mari, il m'en restait encore et ben de quoi en faire une bonne paire de chaussettes. Voilà. Donc il me reste plus qu'à faire les talons. Et j'ai moins peur maintenant du grafting. Oh là là, et je suis dure, moi, c'est dur. Voilà, j'ai moins peur du grafting maintenant que je fais mes rabats tubulaires. Hein, je vous ai refait. On commence à avoir la pointe un petit peu plus arrondie en faisant des augmentations tous les 2-3 rangs. En fait, je fais un rang sans augmentation, deux rangs avec une augmentation, un rang sans augmentation. Voilà, au lieu de le. Et ça me fait une plus courte, mais plus ronde. Et ça me correspond mieux à ma forme de pied. Voilà pour l'encours et l'autre encours. J'ai craqué pour le Lydia Top. Vous voyez là la dentelle? Elle est superbe. Ça fait un côté un peu art déco que j'adore. Alors il est un peu crop, mais comme je viens de me faire une jupe taille assez haute, je pense que ça pourrait être assez sympa. Donc j'avais un reste de laine de coton, pardon. De coton. Et voilà. Alors le coton, je suis pas sûre que ça soit la meilleure des idées pour un top en dentelle. Donc je vous montre la dentelle à l'envers. Pas tout, c'est pas cool. Voilà. J'avoue que la dentelle me plaît énormément. J'avoue. Je crois que je vais m'offrir un livre de points japonais. Parce que c'est issu d'un. Elle le dit, hein, que la grille de dentelle est issue d'un modèle de grille japonais. Attendez, je crois que je. Attendez, je vais aller relire, je vais chercher. Bon, j'étais un peu perdue dans le patron parce qu'il y a trois pas. Enfin, il y a trois versions. Donc il y a une version en fait à plat et une version en rond. Puis on apprend aussi à faire le montage tubulaire. Je vais faire le rabat tubulaire, mais là j'ai fait le montage tubulaire et j'avoue que c'est assez sympa. C'est vrai que le bord, surtout pour les côtes là, c'est beaucoup de côtes torse. Alors par contre pour mes mains, j'avoue que je le sens un peu plus, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Donc voilà, il me reste 10 rangs, je crois, à peu près, de dentelle. J'ai enlevé ma feuille, je ne sais même plus savoir où j'en suis. C'est pas malin. Donc ouais, il me reste une dizaine de rangs de dentelle. Et après, donc il y a tout un dos V. Avec un. Ce qui est pas mal, c'est qu'un tableau de. Pour savoir. Parce qu'il y a des diminutions qui se font de part et d'autre et pas à chaque rang. Donc c'est un. C'est pas mal d'avoir mis un tableau récapitulatif pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire à quel endroit. J'avoue, je sens que ça va être un petit peu plus aidant. Parce que bon, là, je suis dans la partie dentelle où on n'a pas à se poser la question, je fais juste la dentelle. Mais quand il va falloir faire les diminutions dans le dos, en même temps le devant, pour que. Enfin, je sens que ça va être. Là, ça va pas être effectivement télécompatible, je crois. Ben voilà pour la partie tricot.
Je pense que la partie tricot, j'ai dû ralentir un petit peu parce que j'étais un petit peu plus en... Bah, je crois que le changement de saison m'a donné un peu plus envie de coudre. Surtout des petites choses pour mes petites filles. Enfin, je vous montrerai après. Je commence par alors quelque chose qui n'est plus vraiment de saison, mais qui est une grosse pièce qui m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Comme je disais, une pièce qui m'a demandé beaucoup de travail. Alors, c'est une veste. La veste artisane dans un lainage un peu pailleté avec un passepoil doré. Puis là, j'ai une doublure en soie d'oupion, en soie sauvage. Et à l'intérieur, j'en avais pas assez pour faire le. Donc j'ai fait le avec une autre doublure Newman. Oh, bah dis donc, il y a une tache sur ma doublure. Avec mon fer à repasser, il a tendance en ce moment à me faire des taches de calcaire cramé. Enfin, c'est super bizarre. Ah bon. Voilà. Donc j'ai tout. On voit un peu mes points quand même hein, à la main. La doublure aussi à la main. Enfin, vous voyez, c'est vrai que c'est une grosse pièce où j'étais un peu ennuyée aussi parce qu'il n'y avait pas les pièces de doublure dans le. Dans le patron, un peu galéré. Il a fallu que je reprenne donc l'emmanchure à cet endroit-là parce que moi ça passait pas. Bon, c'est toujours mon problème, j'ai l'impression, hein, l'espèce de petit boule de gras là qui fait que je suis toujours un peu engoncée. J'ai repris aussi dans le dos un petit peu et j'ai remodifié les pinces que j'ai faites plus hautes. Qu'est-ce que j'ai remodifié d'autre? Bon, c'est à peu près tout. Voilà. Oups là. Je sais pas si je vais beaucoup la porter parce que bah maintenant je suis plus vraiment de saison. Mais ma foi, ce sera très bien sur mes petits pull fingering pour me réchauffer un petit peu. Elle fait très habillée, hein. Puis il y a autre chose aussi qui m'a moyennement plu, c'est qu'il y a il y a des petites pinces là à cet endroit-là. Et ça tombe pile sur au niveau de la poitrine, là. Ça fait un drôle d'effet un peu, ça fait un peu bizarre. À voir. À voir, à voir. Voilà, elle est un petit peu moitié froissée. Parce qu'elle n'était pas. Voilà. Parce que je ne l'ai pas portée. Enfin, je la mets dans. Que je la pende dans mon placard. Voilà. Vous aurez le droit au défilé tout à l'heure. J'aurais aimé le faire dehors, mais je suis pas sûre. Ensuite, je me suis fait une robe aussi. Isia. J'ai fait une robe Isia de l'usine à bulles. Alors, par contre, c'est un patron qui est prévu pour. Pour du jersey. Et moi, je l'ai fait en viscose. Je voulais pas, en fait, encore. J'aimais l'ampleur de la robe Isia. C'est ce qui me plaisait. Donc, ce que j'ai. Je me suis assurée, en fait, que le haut corresponde un peu à la base que j'ai. Que je me suis faite. À partir de. Enfin, je vous avais expliqué dans le précédent podcast. Et donc, ma foi, elle me va bien. Sauf que ben elle n'est plus vraiment métable parce que mes filles ont joué dans le jardin à faire la princesse, à jouer avec, et puis ben elles ont fait de la trottinette avec et me l'ont arrachée. Je ne l'ai même pas portée. J'étais dégoûtée. Je venais juste de la terminer, je venais juste de me. En plus, je me suis ennuyée à faire un ourlet avec un biais. Je me suis embêtée à faire du biais dans mon tissu viscose. Je crois que la viscose en plus, c'est tellement fuyant et tellement. Enfin, moitié transparent en plus, je trouve. Je suis pas sûre d'être vraiment convaincue par la viscose. Ah, j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça. Et alors, enfin, après, j'ai même pas osé la gronder parce qu'au final, elle arrivait tellement en pleurs en disant « Je suis une mauvaise petite fille. Je fais que des bêtises. Mais pourquoi je fais que des bêtises? Oh là là! » Alors, inconsolable pendant un bon 10 minutes, j'ai même pas pu la gronder. Mais j'avoue que je suis bien, bien verte, bien dégoûtée. Alors, ce qu'il me reste à faire, bah, ça va être de couper la partie qui est déchirée, je pense, et refaire un ourlet. Heureusement, il me reste encore de. J'ai fait pas mal de biais, donc heureusement, il me reste. J'espère que j'en aurai assez quand même. Hein, parce que j'ai pas envie de m'amuser à en refaire. Hein. C'est une galère. J'ai pris plusieurs morceaux que j'ai mis. Enfin, j'ai mis des grands morceaux que j'ai à coller. Puis après, j'ai coupé au fur et à mesure tout le long. Comme ça, pour m'en faire une bande. Fastidieux.
Mais ma foi, ça fait quelque chose de pas mal. J'ai rajouté une parementure aussi, qu'il n'y a pas dans le modèle puisque c'est prévu en jersey. Voilà. Mais oui, j'aime beaucoup l'ampleur de cette robe. Bah, je vais vous montrer quand même au défilé où est-ce que ça. Parce que ma mère me dit, bah mets une pièce de thermocollant et puis tu fais une broderie dessus. Ça m'arrivait sur les fesses. Enfin, c'était pas ce qu'il y a de mieux, quoi, de me faire une grosse fleur sur la fesse, là. Je sais pas. Puis je trouve que ça va casser un peu la fluidité de la viscose. Alors, je sais pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en penserez à l'essayage. Ah bon. Voilà. Voilà ma petite déception. Ensuite, dans le mode de rafistolage et compagnie, ceci est une chemise d'homme que j'ai coupée pour en faire une robe à ma fille, selon un patron que j'ai acheté pendant les soldes chez Makerist. Les soldes à 2 euros, c'est un patron Bitrendy et c'est la robe Pénélope. Donc là, j'ai fait la taille 116. Non, 118. 118 et 106. J'aurais peut-être dû faire la taille du dessus. Ça n'a peut-être pas été une mauvaise idée. Parce que là, c'est tout juste en ce moment. Elle est même limite un peu courte. À la rigueur, ce qui pourrait être assez sympa, c'est de lui faire un petit jupon un peu gitane avec de la broderie anglaise. Ça pourrait être assez joli. Et de la mettre par-dessus le jupon. Je suis pas sûre qu'elle soit convaincue, mais je pense que ça pourrait être joli. En superposition. Faut que je rajoute des boutons aussi parce que ben effectivement une petite fille a besoin de plus de boutons que la chemise d'homme. Mais j'ai remis des boutons sur les boutonnières qui étaient déjà existantes, mais il faut que j'en rajoute une à cet endroit-là, je pense. Parce que je l'ai coupée. Il y en avait une à cet endroit-là normalement, mais je l'ai coupée. Par contre, je suis pas sûre de la mettre là à cet endroit-là, d'en mettre une là, parce qu'au final, si j'en mets un, elle pourra pas l'enfiler. Pourra pas bien l'enfiler toute seule. Et c'est vrai que les boutons dans le dos, pour pas qu'elle puisse s'habiller toute seule, c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Ça s'ouvre pas beaucoup. Au pire, je mettrai peut-être un élastique que je camouflerai ou je sais pas. Mais pour qu'elle puisse quand même enfiler sa robe sans avoir tout déboutonné. Parce que sinon, ça perd un peu de son... enfin, ça perd un peu de sens. Donc, après avoir fait... bah, vous savez bien que tout marche par deux chez moi. Donc maintenant, il va falloir s'atteler pour la petite dernière. Il y a de la matière. Vous voyez, j'ai gardé les bleus pour Alice avec ses yeux bleus. Voilà. Peut-être que je pourrais même me faire quelque chose dedans, je ne sais pas. J'ai un modèle de la maison Victor qui a pas mal de pièces en buste et qui pourrait finalement prendre des petits bouts de ça. Mais par contre, ça va être pour la jupe où ça risque d'être un peu compliqué. Je ne sais pas trop encore, mais c'est quelque chose qui m'amuserait de faire du patchwork de rayures comme ça pourrait être assez sympa. Voilà. Voilà. Qui me reste à suivre. Après, je vais vous montrer les petites jupes élastiquées que j'ai fait pour mes filles. Hop là, elle est tombée. Donc ensuite, j'ai refait des petites jupes élastiquées à mes filles. Selon. Voilà. Parce que je trouve ça extrêmement pratique. On met un petit t-shirt et ses petites jupes et puis en avant guingois. Là, j'ai fait un ourlet avec une broderie faite sur ma machine. Alors, je me suis ennuyée après à tout recouper, c'était un peu casse-pied. Mais c'est qu'en fait, c'était juste en longueur pour Zélie. J'ai calculé un petit peu. Alors, pour la créer, la fois dernière, parce que je suis toujours en train de cacher mon menton, j'ai un double menton qui me complexe beaucoup. Donc, pour la réaliser, les fois dernières, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris 1 mètre de tissu et je l'avais coupé en deux. Et j'avais pris la laisse pour faire les deux parties de la jupe. Là, je me suis dit, la laisse, finalement, elles étaient très larges. J'aimais bien, je trouvais ça joli. Mais j'avais peur que ça me gâche un peu du tissu. Puis j'avais pris 1,50 m et en fait, 1,50 m. Il serait resté 30 cm de la... sur la laisse. 30 cm, je faisais pas grand-chose. Je me suis dit, oh, si je calcule bien, si je me fais mes panneaux sur un côté, il me restera une partie. Je pourrais peut-être me caser un petit top Ségur dans les restes.
Alors j'ai calculé, je me suis dit, j'ai pris le tour de taille de ma fille, je l'ai divisé par 2 et je l'ai multiplié par 1,50 pour avoir des fronces correctes. Et bah ça donne ça. Alors elles sont froncées quand même. Mais finalement, elles sont pas aussi amples que celles que j'aimais beaucoup, que je leur avais fait. Mais elles sont très bien comme ça. Elles sont très bien quand même. Donc ça, celle-ci, c'est celle de Zélie. Celle d'Alice, elle a choisi une autre broderie en bas. Je suis moins convaincue. Enfin, je vous mettrai des petites photos, je vous montrerai. Voilà. Elle est un peu moins convaincue. Mais bon, elle l'a choisie, elle l'aime. Le but, c'est qu'elle porte. Voilà. Hein. Et donc, dans les chutes. Attention. Striptease. Voilà, j'ai fait le top Ségur. Alors par contre, je crois que mes bretelles, elles sont un peu trop justes. Ou je sais pas. Ou c'est parce qu'il faut que je reprenne toujours la manchure. Parce que là, mon petit bout de gras pousse le truc là. Ouais, il y a un petit centimètre de trop là en fait. Voilà, dans le dos, bah, vous voyez, toujours ça tire un peu. Mais voilà. Voilà. Pas mal. Bon, je remets mon pull parce que j'ai pas bien chaud, hein. M'excuserai. Ah, j'en ai pas parlé de mon pull, mais c'est le modèle Lico de Mélina le petit panda. Avec des laines que j'avais teintes moi-même avec mes filles l'année dernière. Et c'était au premier confinement. Ouais. Premier confinement. Voilà, avec des teintures Greener Shed sur de la laine à chaussettes Hobby. Voilà. J'étais bien amusée avec mes filles. Oui, finalement, le fait qu'il soit boxy, ça va. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il fait pas super chaud au final. Donc, c'est pas mal. Donc, le grand décolleté, là, je crois que je vais finir par mettre un châle parce que j'ai pas bien chaud. Ensuite. Ah, la jupe, l'élégante, qui m'a un peu. Pareil, qui n'a pas été évidente. Voilà. Avec la jolie ceinture, avec un petit creux, là, qui est très joli. Qui ont des plis, il y a des poches. Hop là, il y a même mon mouchoir dedans. La vraie vie, moi, je vous dis, la vraie vie. Voilà, avec un petit fond de liberté qui me restait. Que vous dire de plus? La couleur, c'est une gabardine du stock de ma mère. Pour moi, ce verre-là, il est un peu trop jaune à mon goût. Mais bon, ça me va très bien. C'est surtout pour une version test. Voilà. Donc, je l'ai taillé en 48 pour mon gros bidou. Parce que là, moi, il me fallait ça. Sauf que, bah, entre-temps, j'ai un petit peu maigri. Il a fallu que je reprenne tout en fait. Donc j'ai dû enlever 1 cm de chaque côté. Et de rajouter des pinces. Enfin j'ai rajouté une pince là. Qui n'était pas prévue. Comme elle était de l'autre côté, je crois. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de ruser comme ça. Voilà. J'en suis très contente. Elle est taille très haute. Alors j'ai aussi il y a une fermeture invisible que j'ai eu un peu de difficulté à bien remettre. Je crois que l'erreur c'est que je ne l'avais pas bâtie. Et finalement, il n'y a rien de tel que de bâtir hein, quand même. Ouais, puis là, je vois que mes plis sont pas top top non plus. Je l'ai fait un peu à l'arrache quand je l'ai reprise. C'est vrai que c'était pas évident. Ensuite, bah, normalement, c'est une couture à la main à l'intérieur. Sauf que moi, j'ai repiqué pile poil au niveau de la couture là. Pour bien. Et puis là, normalement, c'est pas sécurisé là. En fait, il faut juste les piquer et je trouve que ça s'ouvre en général. Alors, c'est pour ça que là, je les ai bien maintenus. Voilà. Par un petit. Par contre, j'avais pas la bonne couleur, donc j'ai dû faire pas mal de mes coutures en beige. Mais ma foi, ça reste dans le même ton, donc c'est pas trop dérangeant. Donc l'ourlet, je l'ai fait avec une broderie machine aussi. Oh, j'aime pas les coutures à la main. Ouais, je crois que c'est que j'en avais fait pas mal avec la veste artisane. Donc, j'avais pas envie de m'ennuyer à faire des coutures à la main, surtout sur la garbati. Surtout que j'avais pas la bonne couleur, je me suis dit, ça serait vu quand même pas mal. Donc, voilà. Plutôt pas mal, plutôt élégante. Alors, sur le modèle, il y avait aussi une grande ceinture nouée. Mais moi, je me suis dit, je suis déjà épaisse de la taille, alors c'est pas la peine d'en rajouter.
Voilà. Après, elle monte très haut. Elle monte bien au-dessus du nombril. Elle monte limite. Ça fait limite taille empire. Donc, c'est pour ça que ça me va pas trop mal. Vu que je suis un peu épaisse. Même si ça s'arrange un peu. Ça s'arrange parce que je me suis mise un petit peu à courir. Là, avec la pandémie, j'ai pris conscience, surtout la période de vaccination, pardon, où les personnes prioritaires à vacciner en priorité ont été les personnes de plus de 50 ans et les personnes avec un IMC supérieur à 30. Je me suis dit, ah tiens, j'ai un IMC à combien moi en fait? Ah oui, enfin je dois pas être à 30 de toute façon. Puis c'est quoi un IMC à 30? Ça représente quoi en fait vis-à-vis de ma taille? Je me suis rendu compte que j'étais à 3 kilos de l'IMC à 30. Je me suis dit, oh, il est temps de se reprendre en main là. Je fais passer des épreuves d'effort, donc aux gens, je leur demande tout le temps, vous faites quoi comme activité physique? Enfin, alors après, c'est pas pour les juger ou pour leur faire des leçons de tout ça. C'est juste pour estimer un petit peu leur fosse musculaire pour trouver le bon dosage pour pas qu'ils soient trop en difficulté, mais suffisamment pour qu'on voit vraiment un peu leur cœur se mettre en effort, quoi. Donc, c'est vrai que je me sentais toujours un peu mal à l'aise de parler de sport alors que je n'en ai pas un gramme, moi. Donc, je me suis dit, bon. Et puis, c'est vrai qu'Agathe Power of Tricot disait. Rien que 10 minutes, enfin, ça suffit à. Voilà, et puis il faut y aller progressivement. Et... C'est vrai que mon mari m'a sorti aussi un programme de Run Addict. C'est un youtubeur aussi sur YouTube. Avec un programme sur 8 semaines pour se remettre à courir en 30 minutes. Et ben, en fait, génial quoi. C'est-à-dire qu'au mois de février, j'ai commencé à marcher d'abord. Je marchais 1 heure et je me dis, bon, faut que je fasse mes 4 km et tout. Faut que voilà, parce qu'il faut faire au moins une activité minimum au moins 30 minutes pour vraiment que notre cœur pioche un peu dans les réserves et que c'est une action sur l'endurance voilà, physique. Donc au départ, je faisais ça 1 heure, puis je sais plus, ouais, 1 heure. Rentrais, bon bah j'étais en sueur et tout parce que bah, mine de rien j'ai quand même fait un effort hein, le fait de marcher pendant 1 heure à bon rythme voilà j'ai 1 heure ça me prenait presque 2 heures dans ma matinée j'ai l'impression d'avancer à rien de faire voilà un peu de perdre mon temps et puis puis final quand je faisais mon tour il y a des moments où je dis oh là là j'avance à rien je me mettais à courir un petit peu sur pas longtemps quoi sur 500 mètres et puis ouais, 500 mètres. Enfin, ouais, voilà. Et je courais une petite minute, je m'arrêtais, je recourais une petite minute. Et mine de rien, au fur et à mesure, en suivant ce programme où, pendant, on fait trois fois, 3 entraînements par semaine et on installe. Alors, au départ, ça commence par 1 minute de course, 3 minutes de repos, 1 minute de course, 3 minutes de repos cette fois. Après, on augmente de 2 minutes. Après, on diminue un peu la période de marche entre. Et là, j'en suis arrivée à 15 minutes de course, 1 minute d'arrêt entre les deux. Et la prochaine fois, je devrais arriver à 30 minutes d'affilée. J'avoue déjà, là, ce matin, 15 minutes, la fin des derniers, là, 10 minutes, ça va. Les 5 dernières minutes, je suis dans mes réserves et je me dis, bon, allez, dépasse-toi un petit peu, tu vas y arriver. La motivation, c'est d'arriver effectivement à faire mes 30 minutes, quoi. Pour le moment, bah, j'ai pas beaucoup perdu de poids. Je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais à un peu. Par contre, ça a quand même un peu. Je sais pas si vous le verrez, mais bon. Je pense que j'ai un peu fondu quand même au niveau masse graisseuse. Je me sens peut-être un peu moins. Bon, les bras, j'ai toujours un peu les bras forts, mais. Faudrait que je me remesure, mais je crois que j'ai perdu un peu de périmètre abdominal. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que effectivement, j'étais arrivée à un point qui est pas très bon pour ma santé et qui accélérerait sans doute mon diabète qui devrait pas tarder, qui dans 20 ans se déclarera sûrement. En ayant une grand-mère, une mère et un père diabétique, il y a de fortes chances que je finisse par le devenir. Et j'ai fait aussi un peu de diabète gestationnel, mais bon. Après, ça, c'est pas garanti. Ça n'a pas de lien nécessairement de cause à effet, mais bon.
Mais oui, et puis bah, c'est vrai que je me suis remise au sport, à la course, parce que bah, en fait, on n'a pas bien le choix. C'était vraiment pas un sport que j'avais vraiment pas envie. C'était vraiment je pensais que c'était vraiment pas fait pour moi, que j'allais souffrir, que bah, dès que je me mettais à courir, j'avais des migraines qui me venaient pour rien. Je suis assez vasculaire, c'est-à-dire que en plus, je deviens rouge écarlate. Et moi, la piscine me convenait mieux parce que bah, justement, il y avait moins les écarts de température, parce que j'ai tendance à faire des migraines rien que par les changements de température. Et puis, bah, justement, ça monte le feu aux joues, c'est assez vasculaire, donc parfois rien qu'un stress peut me déclencher. Parce que j'ai le côté vasodilatation, surtout au niveau du visage et tout ça, peut me déclencher. Et donc je pensais que c'était vraiment pas fait pour moi, que j'y arriverais jamais et tout. Et finalement, ce fait de se réhabituer progressivement comme ça, et ben ça m'a bien aidé. Et finalement, ben j'y prends plaisir. Et j'aurais vraiment pas cru. Je me suis dit, bon, allez, moi je me ferais plutôt au vélo. Et puis finalement, on a un vélo ben, avec la voiture, tout ça, je suis pas très confiante, pas très. Voilà, donc et puis je connais pas bien les chemins, tout ça, puis j'ai peur d'avoir des grosses côtes et de pas y arriver. Là, en fait, finalement, le fait de s'arrêter, ça nous permet de pouvoir respirer. Et puis, le chemin que j'ai, finalement, est un petit peu. Il y a des côtes qui sont un peu. Voilà, mais elles sont pas très longues. Donc, ça me permet finalement de m'entraîner. Mais au début, sur les débuts, ben, ces côtes-là, finalement, je les faisais à pied. Ça tombait, donc ça allait. Et là, avec l'entraînement, ben, finalement, je l'ai fait. C'est là où je souffre, d'ailleurs, en général. C'est que bah, c'est sur la fin de mon parcours, je sens justement ces côtes-là, mais c'est ce qui me fait progresser aussi. Parce que selon Strava, j'ai téléchargé une application Strava là, pour essayer de me motiver pour voir un petit peu mon évolution. Et il me disait qu'il y avait 39 mètres de dénivelé. C'est pas énorme, mais finalement, ça me permet d'avoir un petit peu de quand même de ne pas être que sur du plat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un parcours dans les bois qui est plutôt. Pas mauvais pour mes articulations, je pense. Puis le fait d'avoir été progressif comme ça m'a permis de remuscler un peu mes articulations. Et finalement, j'avais peur pour mes chevilles ou des choses comme ça. Et bah, ma foi, ça se fait pas mal. Et curieusement, je me rends compte que je me positionne peut-être un peu mieux, que j'ai moins mal au dos, alors que j'avais peur que ça aggrave ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on est beaucoup mieux, on est prévu pour bouger et voilà, tout va beaucoup mieux quand on bouge, hein, c'est sûr. Hein. Et même pour le moral, j'avoue que c'est quand même bien. Ouais, une petite. Ouais, ça m'a redonné un petit punch. Donc un conseil à vous donner, c'est à la portée de tout le monde en fait. Hein. Tout le monde est capable de faire. Même moi, vous voyez, je pensais ne pas être capable et voilà, et j'en suis là et. Je suis pas mécontente. Voilà. Et je pensais que c'était pas fait pour moi parce que je trouvais pas ça très intéressant. C'est vrai que moi, le sport, pour moi, c'est. Il fallait que ça soit utile ou sinon, ben, j'ai l'impression d'être un hamster dans sa roue. Enfin, j'avoue que. C'est vraiment. Enfin, je trouve que. Ouais, j'ai un peu du mal. Mais au final, je vois tellement. Enfin, j'y vois tellement de bénéfices que, ben. C'est motivant. Et ça me motive à continuer et j'espère perdre un petit peu de poids quand même en plus là. Ça serait pas mal. Même si là j'ai dû prendre en muscle, c'est pour ça que j'ai pas perdu de poids encore pour le moment. Et puis parce que j'arrive pas à faire les 30 minutes d'affilée non plus, hein, probablement, mais ça va venir. J'espère tenir pendant l'été, c'est surtout ça. Moi, c'est avec les grosses chaleurs, j'ai peur de pas réussir. Là, en fait, ce qui m'a aidé, c'est le fait d'avoir ce programme et puis de me dire, bon, j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi. Comme ça, il n'y a pas d'échappatoire. Bon, quand je travaille le lundi, je le décale au dimanche. Quand je travaille le vendredi, bah, j'essaye bah, soit d'y aller. Bah, j'y suis allée une fois, le matin à 6h, avant d'aller bosser. Je faisais pas la fière parce qu'il ne faisait pas encore jour. Mais au final, j'ai réussi toujours à peu près à décaler. Ou alors je le faisais le soir. Mais le soir, c'est vrai que je finis tard. Donc quand je travaille, il y a des fois, je finis pas loin de 19h. Donc le temps de rentrer. Surtout, j'ai pas mal de trajets aussi, quoi. Donc, bon. Le soir 19h, je suis pas sûre d'être méga motivée. Mais pour le moment, il y a eu. Ça s'est pas trop mal goupillé pour le moment. Donc, bon. Je croise les doigts. Peut-être que je diminuerai. Peut-être une fois que je serai arrivée à 30 minutes, peut-être que j'essaierai de faire
que deux séances dans la semaine. Et puis, j'y arriverai probablement mieux. Parce que le mercredi, je sais que d'office, je travaille pas, au moins le matin. Donc, bon, même quand les enfants sont là, bah, je leur dis, bah, je m'en vais courir. Et puis, je les laisse une demi-heure devant un petit dessin animé. C'est pas bien. Mais maintenant qu'elles ont 6 et 8 ans, c'est vrai que je m'autorise à les laisser une petite demi-heure. Une petite demi-heure, au final, je me suis rendu compte que ça représentait un épisode de leur dessin animé. Et bon, je suis vite revenue, quoi, au final. La nuit, parfois, qui n'est même pas levée encore. Continue encore de dormir. Je dis, bah, comment ça se fait que pourquoi t'es en vêtements de sport? T'es parti, tu vas courir? Hein, je reviens. Ah bon? Voilà, ensuite je passe avec la partie aquarelle. J'ai un peu moins motivée ces derniers temps en aquarelle. Moi, je peux pas tout faire, je crois. Peut-être un peu de ça aussi. Je sais pas. Alors, ma dernière aquarelle. Ah bah, ça, c'en est une des premières. Vous voyez, vous voir l'évolution. J'étais pas super fière quand je l'ai terminée et maintenant je sais pourquoi j'étais pas super fière. Les couleurs sont pas très naturelles, pas très diluées. La composition est peut-être pas si mal, mais je crois que c'était ça ce qui me gênait. Puis je la trouvais trop fade. Effectivement, c'est pas assez poussé. Et depuis que j'ai changé de palette, je suis peut-être un peu plus satisfaite aussi des couleurs que j'arrive à faire. Alors, la dernière réalisation. Je l'avais laissée avec les pâquerettes. Donc là, c'était un travail sur le monochrome. J'ai voulu essayer de faire une accumulation de vases. Bon, elle n'est pas super bien réalisée. Donc, je l'ai rattrapée en rajoutant en fait des lignes au feutre. Et souvent, ça permet de mieux cerner l'objet. Et souvent, ça redonne un coup un peu mieux. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas... Là, elle n'est pas méga équilibrée. Enfin, c'est vrai que ouais, c'est pas terrible, terrible. Et là, pour toujours le travail du monochrome, j'ai fait un petit bouquet. Là, je me suis amusée en attendant que ça sèche. En général, c'est vrai que la double page, en général, quand il y a une partie qui sèche, eh ben, je fais l'autre côté. Et donc là, c'était pas tout à fait sec et j'ai remis ma main justement dedans pour faire l'autre. Bon, c'est pas bien grave. Donc celle-ci, c'est vrai que elle est un peu tout dans le même ton. Ce que je pourrais retravailler, c'est peut-être des tons un petit peu plus clairs et un peu plus foncés. Même si il y a quand même des accents un petit peu à certains endroits qui permettent de donner un petit peu de relief. Et dernièrement, c'était le travail en négatif, du plus clair au plus foncé, avec des lavis successifs. Et le travail, c'était d'essayer de faire une mer. Bon, il faudrait que j'essaye de faire les petits coquillages pour ajouter là. Et peut-être qu'on s'y croirait un peu plus. Mais c'est pas si mal. Et donc, dans le travail, pareil, là, j'ai voulu faire une montagne avec des sapins. Pour le travail du plus clair au plus foncé. C'est pas... La montagne n'est pas si mal. Enfin, j'ai fait hier soir, j'ai pas encore assez de recul, je crois, sur la chose. Ensuite, pendant tout ça sèche, je me suis pris un autre livre. Livre, pardon, un autre carnet. C'est un carnet que j'ai acheté chez Action. Je voulais tester un petit peu le papier. Je suis pas sûr qu'il soit fou non plus. J'ai un peu peur du grain qui est pas terrible. Voilà, j'ai voulu essayer d'abord de faire une pensée parce que j'ai vu un tuto pour faire des pensées. Je trouve ça très joli. Puis moi, je l'ai un peu foiré. Et puis moi, j'ai continué sur des. J'ai envie de faire des pivoines et parce que j'adore les pivoines. C'est ma fleur préférée, je crois. Et donc j'ai fait un bouquet de pivoine et puis j'ai rajouté des petits muscaris au bas parce que c'est vrai que c'est des petites fleurs bleues que j'aime beaucoup. Donc voilà, il va falloir que je me réentraîne sur les pensées. J'aimerais bien faire un petit motif parce que le prochain thème, ça serait des motifs. Et donc j'aimerais bien essayer de faire des petits motifs avec des pensées, comme ça pourrait être joli. Et je pense que je vais reprendre un peu l'aquarelle parce qu'il va y avoir un stage booster organisé par les Tribulations de Marie. Sur les paysages. Et ça, je suis contente. J'avais déjà fait le stage booster d'hiver qui m'avait beaucoup plu. Et celui-là, je pense qu'il va beaucoup me plaire aussi. Parce que celui de la rentrée m'avait un peu moins enthousiasmée. Mais voilà. Donc je suis très contente. Ça va me remettre le pied un peu à l'étrier. Parce que c'est vrai que bah, je crois que j'étais bloquée un peu sur le système de
Là, la mer, là, ça m'a un peu bloqué. Ça m'a, je ne savais pas trop comment le réaliser. Et je crois que c'est un peu pour ça que j'ai un peu délaissé ma palette. Mais là, d'avoir refait, peut-être que ça me redonnait un peu envie. Mais c'est vrai que souvent, bah, l'hiver, c'était peut-être plus facile. Je me mettais souvent dimanche après le goûter des enfants. Et bah, là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'autres choses à faire. Donc, on s'est remis un peu à jardiner. Ou voilà, et puis, bah, enfin, bon, voilà. On se promène. Et ben maintenant je vais vous laisser avec le défilé que je vais essayer de tourner dehors, même s'il fait un peu froid. On va voir ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire. À bientôt, bye bye.